Salut Florence, mais c'est Sopra. Voilà, on voulait vous faire un petit coucou. Voilà. Ah ben voilà. Il y a les deux grandes qui sont là. On vous fait des bises. Ciao. C'était ta maman? Elle s'appelle comment? Florence. On a une petite surprise. Non, elle est là, elle est venue. On l'a attendue pendant 2 heures. Elle était derrière les bus de tournée. Elle est venue. Elle est là. Voilà. Merci d'être venue. Merci. Il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait pris sa valise. Elle l'avait en athée, en glisse, à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Elle aurait dû y aller, elle aurait dû le faire. Crois-moi, on a tout dit, assez dommage, assez dommage. C'était la dernière fois. Ce matin, c'est cool. Ilona. Ouais. Alors une autre Ilona. Ouais. Léandre. Ouais. Ambrine. Ouais. Ça veut dire présente. Alexandra. Ouais. Amandine. Ouais. Maude. Ouais. Pauline. Ouais. Candice et Marine. Ouais. Valentine, ouais. Lily Rose, Amy, ouais. Et Naël. J'ai oublié personne. Bon, ben, j'espère en tout cas que vous avez eu plaisir à découvrir ce groupe vraiment enthousiasmant du Kids Tonic Live. On n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler parce que le radio crochet, enfin le casting comme on dit a eu lieu il y a seulement un mois au Hard Rock Café à Lyon.
Merci bien sûr à Jérôme Souza qui est toujours dans les bons plans du printemps de Pérouge. Tout roule pour moi car ce sont mes moteurs. Mon carré vide, c'est mon cercle familial. Pour eux je brille avant les projecteurs. I love you Maria, I love you Comoria. Mon image, mon discours, mon combat, mon parcours, tout ça c'est pour pouvoir vous faire honneur. Le cancer m'a volé un frère, il n'y a que mes éponges. Toujours debout à chanter que l'amour est le meilleur fusil contre la terreur. Je les décharge quand je chante dans une MJC ou dans les restos du cœur. Méchants quand ils ont trouvé leur cible. Ça commence par un surnom, puis les mauvaises blagues s'enchaînent. Ils mettent du sel sur les plis de ces complexes. Avec tellement de haine qu'elle vit avec la peur quand elle voit son cartable. À la sur-